Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 12 de mes calendriers de l'Avent, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes officiellement à la moitié de ces ouvertures puisque Noël est dans 12 jours et ça c'est une meilleure nouvelle. Donc j'espère qu'on va découvrir des petits trucs très cool. Je vois pas pourquoi le 12 on aurait des trucs mieux que les autres jours, mais bon, pourquoi pas. Allez, c'est parti avec le petit calendrier des chaussettes Stitch pour commencer aujourd'hui. Il nous en reste plus beaucoup, hein, parce que ceux-là, ils s'arrêtent au 15, hein, je le rappelle. Donc ça ne nous fait plus que 4 petites paires de chaussettes à découvrir. Bref, voyons voir celle d'aujourd'hui en tout cas. Elle m'a l'air beaucoup plus soft au niveau des couleurs. On n'avait pas encore eu des couleurs aussi ternes dans ce calendrier très flashy. Elles sont beaucoup trop cool. On a un petit Stitch qui se met la langue dans le nez. Et au-dessus, c'est écrit Stay Weird, donc reste bizarre en gros. Ce qui correspond parfaitement à l'image sur la chaussette. Elles sont trop bien. Grave passe-partout, j'aime trop. C'est une de mes préférées là depuis le début. J'avoue, je me souviens plus exactement de toutes celles qu'on a eues dans ce calendrier. Mais couleur grise avec un petit Stitch au bout, celle-ci, ça va être parmi les plus portées de l'année, je vous le lis. Parce que bon, en ce moment, je porte pas les chaussettes les plus discrètes du monde. Bon, là, je l'ai tourné pour que vous puissiez le voir, mais preuve que je porte tous les jours des petites chaussettes que j'ai eues dans les calendriers des années passées, hein. Allez, on continue le calendrier cube, la petite case 12, elle est là. C'est encore un trompe-l'œil, on dirait qu'elle est grande, mais non, elle fait juste ça la case, donc sûrement un petit personnage pour aujourd'hui. Pour l'instant, on a eu que des porte-clés baguettes ou des petits personnages en porte-clés. Et il suffisait que je dise ça pour qu'on ait une nouveauté, c'est pas fou ça? Je crois que c'est un petit pins. Et effectivement, c'est bien ça. C'est le petit golden pin d'Harry Potter. C'est un petit Harry en doré finalement. Bah il est très mignon. J'ai l'impression d'avoir trouvé un ultra rare dans mon calendrier juste parce qu'il est doré. Ça me fait penser au booster mystère quand on tombe sur des secrets. Mais c'est trop cool, ça change un petit peu. Voyons voir maintenant si la gigadouilleuse nous a mis une petite nouveauté dans l'enveloppe numéro 12. Je n'y crois guère finalement. Mais tout est possible avec elle. Donc voici l'enveloppe 12 avec Jasmine. Et à l'intérieur, nous avons un petit magnète avec Stitch. Ne serait-ce pas là le deuxième petit magnète de Stitch avec Souillon là pour le coup. On en a déjà eu un et effectivement elle demandait mes personnages préférés quand j'ai passé commande. Stitch en faisait partie, donc on a eu deux petits magnètes de Stitch avec Souillon. J'avoue qu'il est quand même très mignon et ça va carrément aller sur mon frigo. Mais c'est pas elle qui a fait l'illustration, c'est sûr et certain, c'est même encore un petit peu pixelisé. Bref, passons, j'aime bien quand même. Je dois avouer que j'aime bien quand même, mais c'est sûrement parce que Stitch y est pour beaucoup. Hein. Ensuite, le petit calendrier des gommes Disney. Voyons voir, est-ce qu'on va avoir enfin mon alien là? Je l'attends depuis 12 jours. Je commence à m'impatienter. À moins que vous l'ayez mis pour le 24, ce que je peux comprendre parce que c'est clairement le MVP. Et je ne vois pas de vert, donc ça ne doit pas être lui. Eh ben non! C'est Anna de la Reine des Neiges. La voici. C'est sûrement la dernière de ce film d'animation vu qu'on a déjà eu Sven, Olaf et Elsa. Donc là on a Anna pour compléter. Je pense qu'on n'en aura pas d'autres de la Reine des Neiges à moins qu'il nous ait fait Hans, mais j'y crois pas trop. Ou Christophe. Mais voilà. Elle est très chou, elle a sa petite cape là carrément derrière. Très mignonne comme d'habitude ces petites gommes. Anna a eu une bonne petite bouille. Trop bien. Ensuite, le calendrier Pokémon. Voyons voir, voyons voir. La case 12 est tout en bas à droite et ça m'a l'air d'être un format Poké. Et donc, il s'agit bien d'un Pokémon et what the fuck? Ils nous ont mis Cap Humain quoi. Pourquoi ils ont mis ce Pokémon? C'est trop bien. Je comprends pas trop le délire d'avoir mis Cap Humain parce que c'est pas un des Pokémon les plus populaires du tout. Mais au contraire, je trouve ça génial, c'est original. Mais écoutez, c'est génial, j'avoue qu'il est très très mignon. Encore une fois, il brille de mille feux là pour Noël et trop bien. Je trouve ça super original, j'adore. La brigade des calendriers de l'Avent? Ouais, c'est parce que vu que je suis nul en prono Dragon Ball, je préfère faire un prono Pokémon. T'auras plus de pourtant, difficultés. J'ai beaucoup plus de chances de me tromper. On continue avec le calendrier Dragon Ball. Maël est juste à côté, il entend tout. Et il nous a pronostiqué un Raditz pour aujourd'hui, sachant que ça fait 15 jours, j'exagère, ça fait que 12 cases qu'on ouvre déjà, calmons-nous. Bref, ça fait plusieurs jours qu'il nous pronostique un Freezer, et moi j'aimerais bien qu'il tombe aujourd'hui, puisque tu l'as pas dit. Donc Raditz ou Freezer. Et donc, mesdames et messieurs, le suspense est à son comble. Aujourd'hui, nous avons... Aïe aïe aïe. Oh non, on l'a déjà eu lui. Ah mais il change. Ah ouais, ils nous ont mis encore une douille là. Attends, je vais retrouver l'autre. Non, c'est moi qui me fais douiller là surtout. Hein. Toujours pas de bon prono. T'as qu'à redire les personnages, t'auras plus de chance. Alors, j'ai retrouvé dans ma petite boîte aux merveilles le premier Sangohan qu'on avait eu. Et effectivement, Maël a raison, ils ont pas la même texture. Donc on a eu un doublon, mais là ils se sont dit on va le vernir et ça passe crème encore une fois, elle va rien dire. Bah non. Je suis déçue, hein, ils se disent quoi, qu'on va pas remarquer la douille? Je connaissais même pas les pop vernis. Tu connaissais toi les pop vernis? Bien sûr.
Je veux dire, moi j'ai une grande collection de pop. Non, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est même pas... ça s'abrit quoi, un peu, bon. C'est sympa. Oui, mais moi c'est sympa les nouveaux personnages, pas les doubles. Bon, du coup on est déçus, mais c'est pas grave. Maëlle, pour demain, qu'est-ce que ça va être? On est le 13? Oui, demain sera le 13. Par contre, maintenant je veux la précision si la pop elle va être floquée, si elle va être brillante ou normale. Je tiens à une précision. Je comprends, je comprends. Demain? Ouais, 13. Eh ben ça va te reprendre. Hein. Demain on a Raditz. C'est pour demain. Raditz floqué? Non, Raditz tout court, ce sera déjà très bien. Hein. Alright, bon bah le Raditz, hein, il perd pas espoir avec son Raditz. Et bah revenez demain pour voir si le prono de Milo était bon. Moi je pense pas. Et sur ce, on continue avec le grand calendrier des petites histoires. C'est beau ça, le grand calendrier des petites histoires. Et pour aujourd'hui, la petite histoire 12, elle est là sur un petit livre vert. Et il s'agit, mesdames et messieurs, d'une histoire de Wall-E. Trop bien. En plus, hier dans le calendrier Pixar, on avait eu une figurine de Wall-E, donc c'est génial. Et le titre, c'est un cadeau pour Wall-E avec Eve. Oh, c'est trop mignon. J'adore le design des personnages, là, ils sont crayonnés, trop jolis. Et voici des petites images de l'intérieur avec l'histoire. Ils ont réussi à faire une histoire de Noël avec Eve et Wall-E, c'est génial. Oh, je veux pas vous spoiler la fin, mais j'ai juste lu la dernière phrase. Il comprend enfin pourquoi les humains aiment tant Noël. Juste cette phrase, je trouve ça trop mignon. On va faire aimer Noël à Wall-E. Ensuite, le calendrier des chaussettes princesses. Ils sont vraiment immondes ces calendriers après les avoir ouverts. Ils se détériorent de jour en jour. Mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse, c'est la petite chaussette à l'intérieur. Donc là, on avait une case avec Aurore de la Belle au Bois Dormant. Et du coup, à l'intérieur, ça va être encore des chaussettes sans les personnages. J'espère qu'on va pas avoir que ça jusqu'à la fin, mais ils nous les ont tous calés là à la suite. J'ai l'impression, ça fait 3 jours qu'on a que des chaussettes avec un symbole. Et du coup, là, on a la couronne de Aurore, puisque ce sont des chaussettes thématisées la Belle au Bois Dormant. Mais j'aime bien les couleurs par contre, jaune, rose, blanc comme ça. Je trouve ça matche bien, ils sont jolis. Ça reste dans le thème girly princesse, et ça, on apprécie quand même. On enchaîne avec un calendrier tout aussi girly, mais pas très princesse, hein. C'est plus des girly vilaines. Alors, va-t-on découvrir une nouveauté dans ce calendrier après le masking tape fleuri? Eh bien c'est parti pour le découvrir, la case 12, elle est là juste sous Ursula. Et c'est un nouveau petit sticker, dis donc, dis donc. Ça c'est étonnant, hein, vraiment. Alors là, si je m'y attendais à celle-là, un sticker dans ce calendrier, bon, c'est fou. Cette fois-ci, c'est Cruella qui n'est pas en plus dans son meilleur outfit. Elle est avec ses petits bigoudis là dans les veuches. Elle est horrible. Ok, bon bah écoutez, un nouveau sticker. Je les compte plus finalement, donc tant pis. Ensuite, on continue avec le calendrier Pixar. J'imagine qu'aujourd'hui, on va avoir un petit sticker ou alors la figurine de Eve. Et comme j'ai dit hier, si c'est un sticker, eh bien... je mise sur la petite botte avec la plante qui pousse. Et c'est parti pour ouvrir la case 12. Oh là là, je suis beaucoup trop chaud. On a la petite botte avec la plante, c'était sûr. La voici d'un petit peu plus près. Au final, ces stickers, ils m'amusent plus qu'autre chose parce que bah, j'essaye de les deviner et ça me fait plaisir d'avoir juste. Donc on verra ce qui nous attend demain. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à essayer de vous amuser à deviner les stickers avant qu'ils n'arrivent. Ça rend le truc un peu plus fun. Et comme ça, on est moins déçu quand on découvre un sticker. Allez, bref, on enchaîne avec le calendrier un petit peu délabré aussi. Beaucoup délabré même, des chaussettes Harry Potter. Voici la case 12 avec l'emblème des 4 maisons de Poudlard là. Et du coup la petite paire, eh bien elle est là. Oh, elle est grave originale. Petit fond gris et petit logo très très coloré avec à chaque fois les symboles des 4 maisons. Nous avons bien Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Et elles sont pas mal du tout. Je trouve ça juste un petit peu décevant que Serre d'Aigle et Poufsouffle soient sous-représentés par rapport à Gryffondor et Serpentard. C'est une certaine discrimination, on peut le dire, de l'élite. Et en disant ça, je viens de mettre Poufsouffle dans l'élite. Donc vous voyez que tout le monde peut évoluer, les amis, ça y est. Je vous ai dit, maintenant que je suis devenue maman, la sagesse, vous voyez, tout ça. Je plaisante. Bref, il nous reste plus que ce calendrier, je crois. Avant de passer au calendrier pour Eline. Ouais, on a tout ouvert, ça va vite aujourd'hui. Et du coup, la case 12, elle est là, comme dans le calendrier Dragon Ball. On termine la deuxième ligne avec un Pocket Pop. Et j'ose même plus dire un nouveau Pocket Pop, parce que à tout moment, on l'a déjà eu celui-ci. Et il s'agit d'un nouveau Pocket Pop, Harry Potter, avec sa cape d'invisibilité. Le voici d'un petit peu plus près. Et celui-ci, il est bien nouveau, puisque cette pop, elle est sortie cette année en taille normale, et du coup bah là ils l'ont mis en Pocket Pop dans le calendrier, et ça fait plaisir, enfin de la nouveauté. Il est mignon. Oh bah qu'est-ce qui lui est arrivé là? Harry a eu un petit accident.
Il a une petite tache sur les fesses, mais c'est pas grave, Harry, ça arrive à tout le monde, faut le dire, hein, si tu as des petits problèmes. Bref, il est quand même très chou, il a un problème là aussi, je sais pas, il a été mal découpé. C'est dommage, on a un nouveau Pocket Pop et il est taché, mal découpé. Mais bon, ça me fait plaisir quand même. Il est vraiment très cool, tous les petits détails là sur la cape d'invisibilité, c'est chambé. Et donc, on termine avec le calendrier de Maman Quick. La phrase du jour, c'est « Un univers qui fait rêver dans lequel tu vas baigner ». Mais dis donc, eh, Baudelaire a du souci à se faire. Maman Quick est poète. du coup, bah, l'univers qui fait rêver dans lequel elle va sûrement baigner, ça doit être un truc Disney pour aujourd'hui, mais je peux pas deviner quoi. Juste, c'est du Disney. Et quand on associe Disney avec calendrier de l'Avent pour bébé, moi je ne peux que valider, donc c'est parti. Cadeau numéro 12, il est ici dans ce petit papier cadeau poisson et il s'agit, mesdames et messieurs, de... Oh, j'adore! Ils sont trop bien! C'est des petits livres de ma collection préférée pour bébé. Mes premières histoires Disney Babies, oh là là, bah je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Voilà, ça fait partie de la même collection des Disney Babies. Et du coup là, c'est la collection Mes premières histoires. Faut que je vous présente ça, c'est beaucoup trop cool. Donc on a, pour commencer, les Aristochats font un spectacle. Donc c'est Marie, Toulouse et Berlioz, hein, les petits chats qu'on connaît. Et à l'intérieur, du coup, on a une petite histoire originale avec les chatons. C'est pas trop mignon, regardez les personnages, comment ils sont trop beaux. J'adore, j'adore les designs de ces personnages. C'est beaucoup trop cool. Regardez Duchesse et O'Malley, mais c'est génial. J'avais déjà pas mal de petits livres de cette collection dans la bibliothèque d'Eline, mais pas ceux-là. Et Maman Quick, forcément, connaît la bibliothèque de sa petite fille. Et elle a pris également Bambi découvre la neige. Oh là là, c'est beaucoup trop cool. Pour Noël, en plus, c'est grave adapté. Oh, avec le petit pampan et tout, c'est trop mignon. Il y a Fleur aussi. Oh, j'adore, j'adore, c'est beaucoup trop beau. Oh là là, et le dernier, c'est génial, Tic et Tac, fête Noël. T'as beaucoup trop géré, maman, c'est le meilleur cadeau ever. Oh, c'est trop bien. Regardez Mickey avec Tic et Tac, là. C'est tellement chou. Oh, j'adore, regardez-moi ce Mickey. Oh là là, c'est juste génial, le plus beau cadeau. Franchement, tu pouvais pas me faire plus plaisir, maman, c'est trop trop bien. Est-ce que ça me fait plus plaisir à moi qu'à elle? Je ne sais pas pour l'instant, mais elle va sûrement kiffer plus tard, c'est sûr. Trop bien, merci beaucoup. Et du coup, c'est sur cette merveille, cette petite pépite de livre Disney que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Mais pas de panique, puisque nous revenons demain pour les cases 13. Donc je compte sur vous pour être là. En attendant, eh bien dites-moi dans les commentaires quel calendrier vous avez préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 13. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain !